Écoute ça. Selon le comité d'accueil, Miller Falls a une population de 4186 habitants, pour être précis. Ils ont un comité d'accueil? J'imaginais pas que ça existait encore. Bienvenue dans l'Ohio. Je vois d'ici notre arrivée en fanfare, on va avoir droit aux banderoles et aux majorettes. Tu es sûr de ton chemin? Chérie, si on veut reconnaître le terrain, il faut sortir des sentiers battus. Sois gentil, laisse-nous d'abord arriver. Tu veux, on jouera les explorateurs un autre jour. Ah. Oui, tu y es, c'est ça. Tout de suite à droite. Attends, c'est la bleue. Elle est magnifique. Non, pas du tout, perdue. Verdict? Oh, cette demeure est digne des Rockefeller. C'est sûr. Charlie? Quoi? Comment tu la trouves? Je voudrais repartir à Denver, dans notre ancienne maison. Tu oublies simplement un détail. Notre ancienne maison est maintenant habitée par les Anderson et leurs 8 enfants. Je sais même pas pourquoi on est venu ici. Voyons, Trésor, nous en avons déjà parlé. Non, vous en avez parlé entre vous. Personne ne m'a demandé mon avis à moi. C'est rien, ça lui passera. Je la trouve jolie. Tourne, je meurs de faim et toi? Ça se pourrait. Donc, ça veut dire oui. Qu'est-ce qui te plairait? Une bonne pizza. Je savais qu'on tomberait d'accord. Chérie, on va au restaurant, viens vite! C'était délicieux. Décidément, cet endroit me plaît bien. Il n'y avait même pas de pepperoni. C'est évident, puisque c'était un restaurant de fruits de mer. Arrêtez tous les deux. Attention! Fred, Ben! Oh. Non. Il est mort? Il respire encore. C'est grave. J'en sais rien, il a peut-être des lésions internes. Mais qu'est-ce qu'on peut bien faire? Il faut le conduire chez un vétérinaire. Est-ce qu'il va s'en sortir? Ne t'inquiète pas, Charlie, ne ça va aller. Remonte. Va dans la voiture, allez. La prochaine fois que tu traverses en dehors des clous, regarde bien des deux côtés. Ah, le voilà. J'ai fait ce que je pouvais. Il a des lésions internes? Eh bien, j'ai d'abord craint une rupture possible de la vessie, ce qui m'aurait alarmé. Cela peut dégénérer en péritonite, puis en choc septique généralement fatal. Heureusement, ici, ce n'est pas le cas, excusez-moi. Les reins sont meurtris et de nombreux muscles un peu froissés. J'ignore encore pour l'instant si les autres organes sont intacts. Alors, il va s'en tirer? Oui, je crois que oui. Oh, c'est... Merci, j'ai bon espoir. Il me reste un ou deux examens à effectuer. Oh, elle a aussi la patte avant gauche extrêmement douloureuse, semble-t-il, mais rien de cassé. Elle? Oui, c'est une femelle. Comment s'appelle-t-elle? Elle n'est pas à nous. Ah, un chien errant. C'est ce que je me suis dit en ne voyant pas de collier. Bon. Prenez-vous les frais à votre charge. Dans le cas contraire, elle sera envoyée à la fourrière où les blessés sont très souvent euthanasiés. Dans ce cas, envoyez la facture. Je peux la voir? Pas maintenant, on lui a administré un sédatif, mais peut-être un peu plus tard. C'est gentil, mais ça ne sera pas possible.
Où est-ce qu'elle va aller quand elle va se réveiller, monsieur? En tout cas, pas chez nous, mon grand. Et pourquoi ça? Souviens-toi, Trésor, c'est spécifié très clairement dans notre bail, pas d'animaux. Elle pourrait rester ici. À vos souhaits. Pardonnez-moi. J'ai attrapé un rhume, carabine, et une vraie plaie. Vous savez, rien ne vous force à le faire, mais l'euthanasie peut parfois représenter une délivrance pour ces bêtes. J'aimerais autant éviter. D'accord, parfait. Donnez-moi simplement vos noms et numéros de téléphone et je vous appellerai pour les frais de pension. Vous savez, c'est une chienne de race. C'est vrai? Oui, je parie même qu'elle est enregistrée au CCA. C'est quoi le CCA? C'est le Club Canin Américain. C'est pour les chiens de pure race, tu sais. Je vous suis très reconnaissant, docteur. Je vous en prie, il n'y a pas de quoi. Et appelez-moi Doc comme la plupart des gens du coin. Je vous ferai un prix, ne vous inquiétez pas. Merci, Doc. À vos souhaits. Quoi? C'était un accident. Je ne savais pas que j'avais affaire à un pur sang. Alors là, tu confonds avec les chevaux, mon chéri. Les chevaux, les chiens, et puis quoi encore? T'as récité tes prières, Trésor? Non. Non, pas toi, voyons. Oui. Non. Qu'est-ce que c'est une euthanasie, dis-moi? C'est une euthanasie. C'est lorsqu'un médecin endort un animal pour de bon. Tu veux dire qu'il le tue? Eh bien, tu sais, parfois ça vaut mieux que de le laisser souffrir. Parfois oui, mais pas là. Ton papa n'a pas l'intention de laisser quiconque endormir cette chienne, n'est-ce pas, chérie? On ne lui fera aucun mal. Maintenant, dors. Tu sais, j'aimerais bien l'adopter. Impossible. Les animaux sont interdits ici. Maman. Nous irons chez le vétérinaire demain pour vérifier qu'il se porte bien, tu veux? Oui, génial. Maintenant, il serait peut-être temps de dormir. Heureusement, aucune de ses blessures n'a mis sa vie en danger. Voilà une excellente nouvelle, n'est-ce pas, Charlie? Super. Merci, docteur. Il n'y a pas de quoi. Si elle va mieux, elle pourra bientôt sortir? Jamais. Jamais? Il se trouve que j'ai remarqué que sa patte avant la faisait souffrir quand je l'ai examinée. Il y a un souci, mais ça n'a rien à voir avec l'accident. Qu'est-ce qu'elle a? Un cancer. Oh. Et ça se soigne pas? Si, Charlet, ça se soigne. Malheureusement, il n'existe qu'un traitement et il est assez radical. Vous pensez à une amputation de la patte? Oui. Êtes-vous prête à assumer une telle dépense? Oh. Savez-vous à quel stade elle en est? Très avancée. Et pour ne rien vous cacher, c'est un vrai miracle qu'elle n'ait pas encore développé de métastase. Cette chienne est décidément très spéciale. Mais si vous voulez la sauver, décidez-vous rapidement. Maman. Oh, Seigneur. Écoute, Trésor. J'aimerais sincèrement l'adopter, seulement les chiens sont interdits chez nous. Mais on peut payer pour une opération. Je crois que vous avez pris la bonne décision. Ce n'est pas évident. Qui voudrait d'une chienne à trois pattes, selon vous? Et pourquoi pas un petit garçon à deux pattes qui a besoin d'une amie? C'est offert. Vous êtes sûr que je ne vous dois rien, docteur? Trouvez-lui un foyer. Oh. Et nous serons quittes. Je vais réfléchir à la question. Allez, Charlie, tu as 2 minutes pour lui faire un câlin. Docteur, encore merci. Avec plaisir. Merci. Il n'y a pas de quoi, mon bonhomme. C'est drôle, je me demande où ont bien pu passer ces chiots. Elle a des bébés? Je m'en suis rendu compte hier soir. Je suis sûr qu'elle vient de finir de sevrer une portée. Mais alors, où est-ce qu'ils sont? Qui sait, peut-être là où tu l'as trouvé. Vous croyez? Moi, c'est par là que je chercherai. Hein? Vous êtes guéri, on dirait. Oui, c'est bizarre, mon rhume s'est envolé d'un coup, comme par enchantement. Tu t'es brossé les dents? 2 fois.
Tu veux aller te balader dans le voisinage? Pourquoi faire? Je connais personne. Et ce n'est pas en restant enfermé que tu te feras des amis. Si tu crois que c'est simple, écoute, tiens. Qu'est-ce que je ferais s'ils veulent pas jouer avec moi? Et s'ils le veulent bien? Qu'est-ce que je leur dirais? Quelque chose du genre, salut, moi je m'appelle Charley. Et nos affaires, elles arrivent quand? Normalement dans 4 jours, écoute, tiens. Nous sommes tous logés à la même enseigne, ton père, toi, moi. Nous allons tous nous habituer, nous allons tous nous faire de nouveaux bien amis. Bien sûr, c'est facile à dire pour toi, tu as un travail. J'ai mon portable, tu peux m'appeler toutes les 2 heures. Je t'aime, Trésor. Je t'aime, moi aussi. Et ne profite pas de ce que j'ai le dos tourné pour enlever ton casque. Promis. Oh. Vol sanitaire Cleveland, métro numéro 4 pour atterrissage à l'hôpital de Cleveland. Trauma de niveau 1 à bord. Ici tour de contrôle de Breakfont à vol sanitaire Cleveland, métro numéro 4. Vol sanitaire Cleveland, métro numéro 4, en attente pour atterrissage à l'hôpital. Le blessé est stable. Je répète, le blessé est stable. Train d'atterrissage sorti et verrouillé. Vol sanitaire Cleveland, métro numéro 4, les urgences attendent votre trauma de niveau 1. Vol sanitaire Cleveland, métro numéro 4, en descente finale pour atterrissage à l'hôpital de Cleveland. Vent au sol à 10 nœuds, rafale à 14 nœuds, atterrissage autorisé à l'hôpital de Cleveland. Éclairage d'urgence coupé, fréquence audio coupée, avionique coupée, checklist d'atterrissage OK. Écartez-vous! Attention! Écartez-vous! Je l'ai préparé et j'ai prévenu la radiologie. Je crois qu'elle est stable. Parfait. Je veux une série de clichés du genou face et profil, antérieur et postérieur, ainsi que un défilé fémoro-patellaire. Doit-on vérifier si elle souffre de lésions internes ou... Non, seulement le genou. Très bien. Je m'en occupe. Une dernière chose. C'est très important. Oui. Trouve-moi le score des Browns à la 5e manche. Oh, j'ai déjà regardé. Ils leur ont mis 6 points dans la vue. Ce qu'on te fait, ma journée ne s'annonce pas si mal que ça. Désolé, je suis en retard. J'ai parlé trop vite. C'est trop tard, Malone. Elle est morte? Non, elle s'en mettra. Quelques abrasions, des écorchures et une rotule gauche en morceaux. L'un dans l'autre, cette jeune femme a eu beaucoup de chance. Ils l'ont transportée en hélicoptère pour une rotule brisée? Il s'agit de Kelly McGuire, l'une des 10 meilleures joueuses de tennis au monde. Ah. Il lui faut le meilleur chirurgien orthopédiste du pays. Oui. À ce propos, vous êtes un interne particulièrement doué, vous savez, et je suis convaincu que vous deviendrez un excellent médecin, à condition bien entendu de respecter certains principes essentiels. Comme par exemple ne pas vous éloigner de mon service quand vous êtes de garde, je ne veux pas avoir à biper mes internes plus d'une fois. Je vous prie de m'excuser, mais je... Et vos excuses n'y changeront rien. Oui, monsieur. Il vous reste une chose à apprendre. L'art de la diplomatie. Ah bon? Eh oui, le docteur Kay et moi souhaitons que vous alliez accueillir notre nouveau chercheur. Son nom est Ben Logan, et je ne veux pas qu'il puisse penser que nous l'avons oublié. Ah, il a effectué des recherches pour l'hôpital des enfants de Boston, je les ai lues. C'est bien notre homme. D'accord. Je compte sur vous. Et n'oubliez pas, les principes essentiels. Je n'oublierai pas. Docteur Logan? Oui? Andy Malone, bienvenue. Merci, je suis ravi d'être là. Interne? Oui, en fait, ça fera 6 mois dans une semaine. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Ne croyez rien de ce qu'on raconte. Je tâcherai de m'en souvenir. Au fait, j'ai lu les recherches que vous avez faites pour l'hôpital des enfants de Boston. Technique de chirurgie thoracique non-invasif pour nouveau-nés. Extrêmement impressionnant. Merci. Et vous travaillez sur un projet subventionné? Stratégie de convalescence et de rééducation. Dans quel domaine? Eh bien, pratiquement tous, depuis l'oncologie jusqu'à la chirurgie cérébrale. Donc votre champ d'investigation couvre tout l'hôpital? Eh bien, oui. Tous les patients en convalescence ou en rééducation sont concernés. Mmh. C'est là que nos routes se séparent. Mais j'ai été ravi de vous connaître. N'hésitez pas à faire appel à moi. Je n'y manquerai pas. À plus tard. Docteur Logan? Oui? Oh, docteur Kay. Content de vous voir. Moi de même, monsieur. Tout se passe bien? Parfaitement, merci.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, prévenez-moi. C'est noté, je vous remercie. C'est tout naturel. Merci encore. Bonjour. Salut, Lisa. Elle est arrivée? Oui. Bien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'hôpital de Cleveland. Je suis Lisa Madison, votre assistante administrative. Ravie de vous connaître. Vous tombez à pic, Lisa. Savez-vous où je peux trouver les rapports de nuit? Oh, c'est classé par ordre alphabétique. Et par département. Merci. Il n'y a pas de quoi. Il va falloir que je me mette vite dans le bain, on dirait. Oh, ça viendra. Votre mari a obtenu une bourse pour ses recherches? Oui, il a accepté pour qu'on puisse être tous les deux. Oh, vous êtes là depuis longtemps? Ça fait 5 ans. J'ai commencé une semaine après mon divorce. Oh, je suis désolée. Il ne faut pas. C'était un pauvre type irrécupérable. Il disait qu'il voulait faire le vide. Alors je l'ai aidé. Vous avez eu raison. J'ai balancé ses habits, sa chanifie, sa télé, son magnétoscope, toutes ses affaires sur l'avenue Euclide. Le bus est passé, bang! Ça a tout écrasé. Oh, un carnage. Vous êtes mariée depuis combien de temps? Ça fera 13 ans décembre prochain. C'est un mari comme ça que je voudrais. Ma foi, ce n'est pas l'homme parfait, mais... Peu importe qu'il soit parfait ou non, pourvu qu'il soit là. Bon, c'est le jour de la paye. On m'attend au service comptabilité. Ravi de travailler avec vous. C'est gentil. Tout le plaisir est pour moi. Allez, allez, on se bouge les garçons. Vous dormez ou quoi? Du nerf, on court un peu. Allez, allez. Allez, viens, rattrape, joli coup. Allez, on recommence! Oui, c'est ça! Tu es Shirley Logan? Peut-être bien. Ta mère m'a remis ça pour toi. Merci. Cette salle d'attente, vous savez où je peux la trouver? Mm-hmm. 3e étage. Tu sors de l'ascenseur à gauche et c'est au milieu du couloir. Tu es perdu? Salut. Salut. Non. Enfin, peut-être que oui, peut-être que non. Je considère donc que la réponse est oui. Maman m'a dit qu'il y avait une salle d'attente à cet étage. Qui est ta maman? Terry Logan. Ah, l'administrateur adjoint. Ce qui signifie que ton père est le docteur Ben Logan. Bah comment vous le savez? Je suis un peu devin. Il y a des malades à cet étage? Oui. Tu es ici dans le service de convalescence gériatrique de l'hôpital. Les vieilles personnes. Oh. Docteur Malone? Andy, tu peux m'appeler Andy. Enchantée, Andy. Moi, c'est Charlet. Charlet, content de te connaître. Ah. Bon, Charlet, je dois aller faire mes visites de l'après-midi. Alors, il va falloir que je te laisse. D'accord. Tu seras bien sage? Oui. Promis. Super. À plus tard. Madame Magnon? Qui êtes-vous? Docteur Logan. Où est Nate? Nate? Nate Eklind, mon médecin. Ah, le docteur Eklind est en rendez-vous à l'extérieur. Il m'a chargé de passer vous voir. Je suis nouveau. Et moi, je suis vieille. Et je ne veux pas changer de médecin. Ça tombe bien, je ne suis pas là pour ça. Enfin, je suis médecin, mais je n'ai pas l'intention de remplacer le docteur Eklind. Je souhaite simplement vous poser quelques questions. Qu'est-ce que vous faites ici? J'effectue des recherches. Mais vous ne pouvez pas pénétrer ici de la sorte? Eh bien, à vrai dire, je peux aller à peu près n'importe où. Il suffit d'avoir un air sérieux et un bloc-notes. Vous partez? Dès qu'Edward sera en bas avec la voiture. Vous avez rendez-vous pour une chimiothérapie? Il la fronce sans moi. Je rentre à la maison. Et n'essayez pas de me retenir. C'est grâce à mon argent qu'on a bâti cette aile. Je ne veux pas vous forcer à rester, Madame Magnon, mais je vous suggère de réfléchir. Parce que sans cette thérapie, votre cancer regagnera du terrain. Docteur Logan, c'est ça? Je n'ai plus d'énergie. Je suis seule.
Albert et moi n'avions qu'une fille et elle est décédée il y a quelques années. Alors je veux rentrer chez moi. Monsieur, à la maison, madame? Où voulez-vous que nous allions? Ça commence fort. Alors, mon grand, c'est pas marrant de déménager, hein? T'inquiète. Je te dépose? Non, j'ai mon vélo. Écoute, Charlie, je sais combien c'est difficile pour toi en ce moment. Tu as fait un énorme sacrifice en venant ici. Et ta maman et moi savons tous les deux que tu rêves de garder ce chien. Annie. C'est ça, Annie. Écoute, dès que j'aurai achevé ce travail de recherche et que la téléconférence sera finie, je me mettrai en quête d'une maison, une vraie, où on pourra avoir un chien. Mais si on arrive trop tard? Eh bien, tu n'as qu'à dire au docteur Elliot que nous voulons adopter Annie. Oh, merci, papa. Il n'y a pas de quoi. Salut ma belle, comment ça va? Je vais t'appeler Annie. C'était ma meilleure copine à Denver. Toi, t'es un mâle? Alors je vais t'appeler Max. Dis donc, Annie, c'est ton petit copain?
Comment tu te sens, ma jolie? Oh! Pardon. Y a pas de mal, petit. Vous soignez les animaux? Je les attrape. Oh. Justement, je suis venu en emmener un. Bon sang de bois, j'en tiens une belle. Vous avez mal à la tête? C'est une migraine. J'en ai depuis que je suis tout petit. Je peux demander à Annie de vous aider. Est-ce qu'elle travaille ici? Non, c'est ma chienne. Cette chienne est à toi? Ben, pas encore, mais ça va pas tarder. Il reste un petit détail à régler. Moi, à ta place, je m'affolerais. Pourquoi? Parce qu'il est écrit ici qu'elle doit être transférée demain à la fourrière de Miller's Falls. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, tout dépend. Quelquefois, il les endorme. Alors vous l'emmenez demain? Je n'ai pas le choix, désolé. Il a fallu piquer des chiots il y a une semaine parce que personne n'en voulait. Le rouge, c'est la marque des transferts. Et on ne peut rien faire d'autre? Allez, petit, en route. C'est bien. Dépêche-toi de l'adopter. Si je trouve ces petits, on me permettra de garder Annie. Le docteur avait raison. Oh, vous devez mourir de faim. On est presque arrivé. Tu vas voir. Vous allez être bien ici. Voilà. Maintenant, soyez sages, les amis. Ne faites pas de bruit, silence. J'essaierai de vous trouver un endroit plus sûr demain. Il sera trop tard quand mon père décidera de ramener votre maman chez moi. Je vais me débrouiller tout seul, d'accord? Chut, silence. Désirez-vous quelque chose, madame? Oh, juste un thé, Edward. Oh, Albert, si seulement tu étais encore là. J'ai besoin de ta force. Je ne suis pas sûre de pouvoir affronter cela toute seule. Puis-je vous servir, madame? Oui, s'il vous plaît, Edward. Je vous apportais vos cachets. Je n'en veux pas. Oui, je le sais. Inutile d'insister. Comme vous voudrez. Pourquoi restez-vous ici? L'habitude, je suppose. Oh, ce n'est pas très délicat de dire cela à une personne qui vous emploie depuis 25 ans. Depuis quand faites-vous le moindre cas de ce que je vous raconte? Sortez d'ici tout de suite! Oui, madame. Souhaitez-vous autre chose? Non,
Madame Mannion. Quoi encore? Être seul n'est pas une fatalité. C'est une simple question de choix. Allez, venez par ici, suivez-moi. Ne bougez surtout pas, hein, je vais chercher votre maman. Allez, dépêchez-vous, courez, vite! Filez vite, sauvez-vous! Allez les chiens, on se dépêche! Qu'est-ce qui lui prend? Je crois qu'elle vous aime bien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cancer. Ils ont dû l'amputer. Un peu comme moi. Votre jambe est encore là? Oui, mais elle ne me sert à rien. Je jouerai plus au tennis comme avant. Vous jouez au tennis? Je jouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Un accident. Rotule brisée. Ça guérira? Oui, peut-être, mais je peux dire adieu au tennis. Il y a d'autres sports, non? Faut que j'y aille. Comment elle s'appelle? Annie. Toi, tu sais ce que je ressens, n'est-ce pas, Annie? Elle sait faire du bien aux gens. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Charley. Enchantée, Charley, moi c'est Kelly. Salut. C'est vrai qu'elle sait faire du bien aux gens. Ça ne m'étonne pas. Au revoir. C'est un chien comme toi qu'il lui faut. Bonjour. Bonjour. Vous permettez? Allez-y, je vous en prie, après vous. Il a dit que la voiture... Par ici. Non, par là. C'est le ménisque? C'est un peu plus grave que ça. La rotule? Accident de voiture. Vous êtes quoi? Kinésithérapeute? Non, médecin. Je suis interne. Là, ici, à l'hôpital. Je connais des exercices super. On peut vous remettre d'aplomb en moins de 2. Je ne retrouverai jamais mon niveau. Ça dépend. Votre niveau en quoi? Tennis. Vous jouez au tennis? Ça y est, je vous reconnais. Vous êtes Kelly McGuire. C'est vous, la tête de série des urgences? C'était. Je ne serai plus tête de série numéro 1.
J'étais sérieux à propos des exercices. Je vous remercie, mais on m'aide assez comme ça. Vous savez, il est parfois plus utile d'être un peu aidé, mais au bon moment, que très aidé au mauvais moment. Qu'est-ce que vous avez en tête? Un déjeuner. Non, moi je parlais des exercices. Oui, moi aussi. Et je me disais qu'on en discuterait en déjeunant. Vous êtes toujours aussi rapide? Ah, non, seulement avec les têtes de série. Quand? Le plus tôt sera le mieux. Dites-moi, c'est votre jour de bonté? Vous invitez une boiteuse, c'est ça? Si ça vous amuse de le croire. Je dois me débrouiller, il faut me laisser faire, d'accord? Ça a l'air de vous tenir à cœur. Possible. Rendez-vous au parc, à gauche du stade. C'est moi qui m'occupe du déjeuner. On dit 13h? Ce sera strictement professionnel, pas de bavardage. D'accord, vous en baillerez d'ennui. 13h, soyez pas en retard. Je plaisantais. Reviens ici, toi. Reste là. Bouge pas. Non, reste là, toi. Reste là. Oh. Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit d'être ici. Je suis désolée. Je ne savais pas que... Fiche le camp d'ici tout de suite. Va-t'en! C'est quoi, ça? Un chiot? Oui, je vois bien que c'est un chiot. Qu'est-ce qu'il fabrique ici? Il est avec moi. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Charlet et j'essaye de les sauver. Les sauver de quoi? On veut les tuer. Quoi? Comment ça, les tuer? Ben, les piquer, les endormir. Les euphoriser. Tu crois qu'on veut les faire mourir de rire? Oui, peut-être bien, j'en sais rien. Oh, excellent. Est-ce que tous les blocs apparaissent sur ces écrans? Oui, tous les 5. Ah, je voudrais qu'on place une caméra dans l'une des zones de convalescence. Il y aura combien de personnes? Environ une demi-douzaine. Bon, je vais installer la salle et préparer le magnétoscope. Il vous faut ça pour quand? Dans une semaine. Je vous préviens un peu tard, mais le docteur Eklin vient de m'avertir. Vous le connaissez? Oui, je le connais bien. En fait, il m'a laissé un petit mot, mais on n'a pas été présenté. Oh, ça va pas tarder. Bon, il faut que je puisse montrer la rééducation, les différentes techniques opératoires, c'est-à-dire à peu près tout ce qui a un rapport avec la convalescence post-opératoire ou post-traumatique. Vous avez ça? Non, mais je trouverai. C'est bien. Des questions? Non, monsieur. Oh, bon. Au fait, vous pouvez arrêter de m'appeler monsieur. J'ai l'impression de prendre 20 ans à chaque fois. Oh. T'es gentil, toi. T'es un joli toutou. Hein? Dis donc, Charlet, sans trognon, tes petits copains. Hein? Oui. Vous avez un chien? Oh, j'en ai eu un une fois, il y a un bail. Et votre nom, c'est quoi? Te l'ai pas encore dit? Non, par contre, vous avez crié. Ah, oui, c'est vrai. Je m'appelle CW. Quoi? CW, comme les deux lettres, C et W. Mais CW, c'est pas un nom. Bah, c'est mes initiales. Carter White. Et ton nom à toi? Logan. Logan? Tu veux dire comme le nouvel administrateur adjoint Logan? Oui, c'est maman. Écoute, tu vas enlever ces cabots d'ici au trou, hein. Et surtout, ne raconte pas un mot de tout ça à ta mère. Je ne dirai rien. Oui, bah t'as plutôt intérêt. Annie fait des miracles, vous savez. Quel genre de miracle? Elle a des pouvoirs magiques sur les gens. Ah ouais? Comme ça, magique. Quand on l'approche, on devient un chic type. Non. Si vous êtes malade et vous touchez Annie, ben ça va mieux. Vous voyez cette égratignure? Annie l'a léchée et elle est presque guérie. C'est vrai? Ça alors. Allez, tu ferais mieux de filer d'ici maintenant. D'accord. Un de ces jours, Charlie. Au revoir.
Salut. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Tout d'abord, en hors d'œuvre, une salade verte du jardin, suivie de blancs de poulet grillé façon barbecue. C'est sérieux? Il réduit les fractures et en plus il cuisine, oui madame. J'aurais peut-être dû me casser les deux genoux. Une pointe d'ail, un peu d'oignon, quelques pommes de terre frites. Vous aimez les pommes de terre frites? Mais... Et en dessert, une délicieuse crème brûlée. Vous m'épatez, là. Normal, c'est fait pour. Alors, ce genou? Ça s'améliore. Il y a de gros progrès. On va vous remettre sur pied, on n'a rien de temps. Ah oui, c'est pas encore demain que je me mesurerai à Monica Seletz, mais ça va. Je me sens mieux. J'en suis heureux. Merci. Est-ce que vous voyez quelqu'un? À vrai dire, je vois tout le monde, ma vue est excellente. Je reformule ma question. Est-ce que vous avez un petit ami? Non. Et vous? Non. Pourquoi vouliez-vous déjeuner avec moi? Parce que j'avais faim. Ah, oh, évidemment, question idiote. Je voulais vous aider. Pourquoi moi? Parce que j'ai pas beaucoup de patience, si jolie que vous. Le tennis était toute ma vie. Je m'en doute. Mais je saurai gérer. J'en suis sûre. Je voulais simplement vous accompagner dans l'épreuve. Je refuse d'être déçue une fois de plus. C'est donc ça? Vous craignez que je puisse vous blesser? C'est un risque. C'est exclu. Nous verrons. Qu'est-ce que tu fais là? Oh. Allô, Eddie, envoie la sécurité au premier aux soins intensifs, tu veux? Oh. J'ai cru voir un animal se faufiler. Ah, j'en sais rien, c'est peut-être un chien. Si, je sais reconnaître un chien quand j'en vois un, mais celui-là n'avait que trois pattes. Enfin, je crois. Non, gros malin, je t'assure que ça n'a rien à voir avec un ovni. Envoie la sécurité, d'accord? Alors, Chad, comment ça va? Super. Vous ne souffrez plus? Non, ma jambe ne me fait plus mal du tout. Je pourrais presque retourner sur le terrain de foot en petite foulée. C'est peut-être un peu prématuré, mais ça ne saurait tarder. Et c'est justement ce qui m'étonne. Est-ce que vous pouvez la bouger? Sans souci. Je reviens pas, c'est un miracle. Oui, c'est tout à fait stupéfiant. Vous voulez un miracle? Trouvez-moi des places pour le prochain match. Ça sera un miracle. Ça roule, Doc. J'aime pas les piqûres. Lisa, j'ai deux mots à vous dire. Vous vous sentez bien, docteur Marchand? Absolument, oui. C'est au sujet de Chad Ripley. Oh, seigneur, il n'est pas... Non, pas du tout. C'est le contraire. Il se remet beaucoup trop vite. Je ne vois aucune explication à cela. Peut-être qu'il est plus costaud que d'autres. Personne ne peut guérir aussi vite, même pas Superman. Et dites-moi franchement, avez-vous remarqué quoi que ce soit d'anormal ou d'étrange dans les parages ces temps-ci? À part la pagaille habituelle? Non.
Bonjour. Tenez, vous allez adorer. Qu'est-ce que c'est? Hier soir, l'une des infirmières a eu une vision. Oh, de quel genre? Un mystérieux animal rôderait dans l'hôpital et la meilleure, c'est qu'il aurait trois pattes. Oula, et combien de têtes il avait dans son rêve? Une seule, je crois. Bienvenue dans la quatrième dimension. Et au moment où la sécurité est arrivée, un vieux monsieur qui souffrait d'insuffisance cardiaque s'est miraculeusement rétabli. C'est vrai? Mm-hmm. Et ce n'est pas tout. Le gars de la 4B, c'était un cas de catatonie suite à une overdose de narcotiques, et quand ils sont allés le voir ce matin, il dansait dans le couloir, nu de la tête aux pieds, en hurlant comme un sourd l'hymne américain. Je vois. Est-ce que l'un d'eux a pu au moins expliquer ce qui s'était passé? Eh bien, ils disent avoir été visités par un mystérieux animal durant la nuit. On devrait peut-être avertir la presse. Non, surtout pas. Avertissez plutôt le gardien, je veux le voir. Non, je le trouverai, c'est bon. Comme vous voudrez. Tiens! Salut! Hey, c'est incroyable à quelle vitesse vous guérissez. Oui, c'est fou, hein? C'est totalement surnaturel, vous voulez dire. Vous avez bousillé votre ligament croisé antérieur et brusquement, c'est comme s'il se reconstituait tout seul. J'ai été opérée. Oui, mais seulement pour le suturer. Bon, je file. Il y a mon kiné qui m'attend. Continuez à ce rythme-là et dans à peine un mois, vous pourrez fouler le gazon de Wimbledon. Ça me paraît un peu trop ambitieux. Mais peut-être que je rejouerai. On s'appelle? D'accord. Ça marche. Vous n'auriez pas vu passer un gamin de cette taille? Non, monsieur. Non? Tant pis, merci. Ah. Qu'est-ce qui te prend de venir ici la journée? Il fallait que je nourrisse les chiots. C'est bon, je vais m'occuper d'eux. Je leur ai apporté de la nourriture de la cafétéria. Tu vas finir par te faire remarquer à force de te promener dans les couloirs. Bon, alors, voilà ce que je te propose. Tu vas trouver un foyer à ta bande de petits copains. Et en vitesse. D'accord. Tout ce que je vous demande, c'est un peu de temps. T'as jusqu'à la fin du mois. Et c'est tout. Je ferai ce que je pourrai. T'as intérêt. Pourquoi vous n'aimez pas les chiens? J'ai jamais dit ça. Peut-être, mais vous avez jamais dit que vous les aimiez. Et vous n'en avez pas. Alors, pourquoi vous n'en voulez pas? J'en ai eu un, une fois. Il est mort? Oui. Il y a 5 ans. Il s'appelait Horace. C'était un bâtard. Il adorait monter en voiture. Ils aiment tous ça. Il est mort de quoi? De vieillesse? Non. J'étais parti faire des courses en voiture. Horace était assis juste à côté de moi. Et il a voulu passer derrière avec mon fils, Dwight, qui venait d'avoir 25 ans. On avait pris l'autoroute quand, tout d'un coup, Horace s'est mis à aboyer comme s'il avait repéré un matou. J'ai tourné la tête pour voir ce qui se passait. Il y avait un camion presque collé à nous avec un chien penché à la fenêtre. Horace voulait seulement me prévenir, ou peut-être que c'était sa façon de dire bonjour à l'autre chien, j'en sais rien. J'ai à peine quitté la route des yeux, ça n'a duré qu'une seconde, même pas, disons, une fraction de seconde. Et à cet instant... Dwight a vu déboîter le break, il a hurlé « Fais attention !» Je me suis retourné, mais... J'ai pas été assez rapide. J'ai pas réussi à éviter le break qui venait vers nous. Je l'ai percuté de plein fouet. Le choc a été terrible, tout s'est assombri autour de moi. À mon réveil, j'étais ici dans un lit d'hôpital. Mes vertèbres étaient en miettes. Ma rate avait explosé, enfin, c'est ce qu'on m'a raconté, parce que moi, je me rappelle pas bien des détails, mais... Horace... et Dwight... étaient... Je suis désolée. C'est rien. Écoute, il faut que je reparte travailler.
Je compte sur toi. Tu dois leur trouver un foyer très rapidement. Je le trouverai, CW. Je te fais confiance. T'es un brave garçon. Allez, maintenant, décampe. C'est drôle, mais depuis que tu es là, mon mal de dos a complètement disparu. Est-ce que le petit a raison d'affirmer que tu fais des miracles? Hein? Aboie un coup pour oui. Merci, Monsieur Crawford. Oh! Alors, tu te promènes? J'ai entendu parler de ce mystérieux visiteur nocturne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On nage dans le brouillard. Monsieur Crawford affirme qu'il s'agit d'un chien, un animal miraculeux et qui n'aurait que trois pattes. Minute, il y aurait dans l'hôpital un chien à trois pattes? Et il prétend que lorsque l'animal l'a touché, il a aussitôt guéri. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est ta partie, chérie. Mais ses médecins disent que ses artères se sont débouchées d'un coup et que son arythmie s'est stabilisée. Oh, c'est impossible. Je sais. Amuse-toi. Un chien miraculeux. Monsieur Aldrich? Oui, madame. Oh, madame Logan. Oh, non, je vous en prie, appelez-moi Terry. Ah, Terry. Auriez-vous des informations sur notre mystérieux visiteur de la nuit dernière? Cette nuit? Oui. Auriez-vous vu quelque chose qui pourrait ressembler à ça? Non, pas ces temps-ci. Un chien à trois pattes est le genre d'animal que l'on n'oublie pas facilement, vous en conviendrez. Oui, madame, c'est pas courant. Peut-être pourriez-vous ouvrir l'œil et me faire prévenir si vous notez quelque chose d'étrange ou d'extraordinaire. Comme un chien à trois pattes? Exactement. Parce que si jamais une personne qui travaille pour cet hôpital a dissimulé une bête ici, cela peut constituer un motif de mise à pied, voire de révocation. Ah, de révocation? Oui, monsieur Aldrich, de révocation. Bien, je ne vous dérange pas une minute de plus. Et si par hasard un détail vous revenait, ou si vous voyez quelque chose, merci de m'en avertir. Je n'y manquerai pas. Bien. Merci, monsieur Aldrich. Il n'y a pas de quoi, Terry. Oh! Hé, te sauve pas si vite. Où est-ce que tu fonces comme ça? Je vais retrouver mes copains dans le parc. Ah, oh, tu as de nouveaux amis, c'est génial. Invite-les à la maison. D'accord. Papa rentre bientôt? Oui, il traque un rôdeur qui se balade dans l'hôpital. Un cambrioleur? Mm-hmm. Un spécimen à trois pattes, selon les témoins oculaires. Trois pattes? Mm-hmm. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il a volé? Bien, seulement des cœurs, à l'évidence. Figure-toi que la nuit dernière, un chien, ou je ne sais quoi, est allé voir certains patients dans leur chambre. Et après? C'est là que ça se corse. D'après mon enquête, l'état des patients en question semble s'être brusquement amélioré grâce à ce mystérieux visiteur. Ils vont mieux? Oui. J'ai interrogé le gardien de l'hôpital parce que... avoir un animal dans le bâtiment représenterait une violation grave du règlement en vigueur et pourrait causer de gros ennuis à la personne responsable. Mais il n'avait rien remarqué. Ils l'ont coincé, le chien? Hmm? Je veux dire l'animal. Oh. Ils l'ont attrapé? Oh non, il s'est miraculeusement évanoui dans les airs comme un opni. Un opni? Mm-hmm. Objet poilu non identifié. Charlie? Oui. Ne sois pas en retard pour le dîner. D'accord.
Juste ciel, jeune homme. Que faites-vous sur ma propriété, je vous prie? Je voulais prendre un raccourci. On se connaît, non? Vous étiez à l'hôpital? En effet. Qu'est-ce que vous arrive? Cancer. Désolée. Pas autant que moi. Ma chienne Annie avait un cancer, elle aussi. Le docteur a dû lui enlever une patte. J'aimerais que ça marche aussi pour moi. Ma chienne vous aiderait sûrement. Et comment ta chienne serait-elle censée m'aider? C'est une chienne miraculeuse. C'est un miracle qu'il me faudrait. Si seulement j'y croyais. Allez, disparais, j'ai perdu assez de temps comme ça avec toi. Vous retournerez à l'hôpital? Je ne vois pas en quoi cela te concerne. En rien. Oui ou non? Ça ne m'enchante guère, mais il le faut. Quand? Cet après-midi. Alors je passerai. Tu vas venir me voir à l'hôpital? Oui, ma mère et mon père y travaillent. Je m'appelle Charley. Enchantée. Catherine. J'amènerai Annie. Je suis extrêmement curieuse de voir de quelle façon tu vas l'introduire dans les lieux. À plus tard. Petite canaille. N'est-ce pas? Comment ose-t-il se comporter de cette manière? Edward, si vous avez une remarque désobligeante à formuler, finissons-en. Oh non, quelle drôle d'idée, Madame Mannion. Les remarques désobligeantes sont votre spécialité, pas la mienne. Resterez-vous dehors longtemps? Je n'en sais rien, c'est possible. Comme vous voudrez. Sonnez si vous avez besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Non, Madame Mannion. Jamais vous n'avez besoin d'aide. Vous êtes obligée de l'accepter à l'occasion, mais ça s'arrête là. Edward. Voulez-vous rester un instant? Peut-être pourrions-nous discuter. Volontiers. Mais uniquement si vous en avez envie, ce n'est pas un ordre que je vous donne. Je le sais, madame. Catherine. Catherine. Nous y sommes, Catherine. Annie, tu peux faire du bien aux gens. Parce que si c'est le cas, alors tes petits le peuvent aussi. Thank you.
Salut. Salut, beau matelot. On vient de débarquer. Je parie que tu dis ça à tous les médecins. Seulement au plus craquant. Bonjour. Tu sais combien de guérisons j'ai recensées depuis ces histoires de chiens? Tout l'hôpital en parle. Oui, mais cette fois, ce sont des bébés chiens. Parce qu'on a des bébés maintenant? C'est incroyable. J'ai interrogé la sécurité, le gardien et l'équipe des infirmières de nuit. Et personne n'a rien vu, rien entendu, rien à signaler. Tu sais ce qui est surprenant? Apparemment, ces patients guérissent à un rythme beaucoup plus rapide. Je sais que c'est impensable, mais c'est vérifiable. Je vais écrire un rapport là-dessus. Quand a lieu la conférence? Demain. Et là, je tiens une preuve indéniable. Seulement, j'ignore comment le comité et le docteur Hickling vont réagir. Je suis certaine que tu vas les éblouir. Chérie, quand j'éblouis les gens, habituellement, c'est avec mes phares. Remarquable. C'est encourageant. Oui. Pour être tout à fait franc, il y a encore peu de temps, j'aurais juré que vous ne remettriez plus les pieds sur un court de tennis de toute votre vie. Mais étant avant tout un homme de science, je dirais qu'il s'agit bel et bien d'un miracle. Docteur Marchand, bonjour. Je venais voir vous si... Vous passiez dans le coin et vous avez vu de la lumière, alors vous êtes entré. Voilà, oui, c'est ça. Moi qui pensais vous abandonner en de bonnes mains, je n'en suis plus si sûr à présent. Dites, vous n'auriez pas oublié quelque chose par hasard? Oh, désolé, j'ignorais qu'il fallait un masque ici. Enfin, j'ai cru, je croyais... Il n'en faut pas, à moins de vouloir la kidnapper. Vos dossiers. Mes dossiers, bien sûr. Oui, oui, oui. Et je veux un rapport complet. C'est noté, merci, monsieur. Charlet m'a dit qu'il avait une surprise à me montrer. Je me demandais si vous vouliez venir. Pourvu que je sorte de cette chambre. Allons-y. Laissez, j'y arriverai très bien toute seule. Oui, j'avais oublié, désolée. Bon, ça va, pour cette fois, je vous pardonne. Voilà, ce sont les petits dont je vous ai parlé. J'adore les bébés chiens. C'est leur grande sœur que j'ai vue? Non, leur mère. Je vous présente Jennifer. Vous la voulez? Tu me la donnes? Oui. Écoute, je dois d'abord sortir de l'hôpital, mais ensuite... D'accord, mais n'attendez pas trop longtemps. Tout le monde parle de ces animaux miraculeux là-haut. Alors, comment ils s'appellent? Celle que vous venez de caresser, c'est Jennifer. Celui à côté d'elle, c'est Lopez. Et là, vous avez Elton, et voilà John. Et enfin, Max et Annie. Où as-tu trouvé les petits? Ce sont les bébés d'Annie. Je les ai découverts le lendemain de mon arrivée. En tout cas, Charlet, je suis sûre d'une chose. Laquelle? Ils ne peuvent pas rester ici. Nous sommes prêts? Pareil, chef. Fantastique. Bienvenue, chers confrères. Si vous voulez bien vous asseoir, nous pourrons commencer. Cette conférence sera... suivi en direct par plusieurs hôpitaux. Allons-y. Sur cet écran-ci, le pacemaker est implanté au bloc numéro 1. Et sur cet écran-là, un patient ayant subi cette opération 2 jours auparavant est en cours d'examen. Si l'un d'entre vous souhaite communiquer avec n'importe quel médecin ou patient, n'hésitez pas à utiliser les microphones en face de vous. Donc, mon propos d'aujourd'hui est de vous présenter les avantages d'une chirurgie à invasion minimale qui permet J'ai un coup de fil à donner, j'en ai pour une minute. Tout en améliorant son confort et en facilitant sa rééducation. Ce, dans des domaines aussi divers que la gastro-entérologie, la chirurgie orthopédique, la cancérologie ou la cardiologie, comme l'illustrent ces images. Attendez, ne partez pas!
Arrêtez-les, attrapez-les. Il y en a partout. Là-bas, dans le couloir. Occupez-vous d'eux, moi je rattrape les autres. Coincez-le. Oui, je veux bien, mais j'ai que deux mains. Bon, et ben, deux. Attendez, c'est bon, attendez. Je tiens, quoi? Un, qu'est-ce qu'il y a? Deux, trois. Il en manque un. Comme vous le savez, la pose du stimulateur s'effectue à travers l'aorte à l'aide d'une petite caméra insérée simultanément dans la cage thoracique. Grâce à cette technique, les lésions majeures sont évitées et de fait, la douleur et les cicatrices sont moindres. Le patient peut donc plus rapidement s'alimenter et se déplacer, ce qui réduit d'autant le risque de complications et d'anxiété. À présent, vous voyez à l'écran les changements impressionnants survenus chez ce patient en l'espace d'à peine deux jours. Vous remarquerez que ce monsieur âgé d'une bonne soixantaine d'années a recouvré une grande mobilité et un moral d'acier. Manifestement, ce n'est plus le même homme. Existe-t-il une vision plus satisfaisante pour un chirurgien que celle-ci? Pour résumer, la chirurgie à invasion minimale peut... Nom d'un chien, qu'est-ce que tu fais là, toi? ...dans l'amélioration des stratégies de convalescence et de rééducation post-opératoire. J'espère vous avoir convaincu. Oh, merci. Oh. 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 Oh, je suis désolé, madame. Il n'y a pas de quoi, elle est merveilleuse. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? De l'exercice. Vous lui faites faire de l'exercice dans l'hôpital? Non, madame, c'est elle qui m'en fait faire. Est-ce la chienne dont le petit Charlet m'a tant vanté les mérites? Si c'est le cas, il va m'entendre. Oh. Est-ce qu'elle pourra revenir me voir? Non, j'en doute. Désolé, madame. Encore pardon pour le dérangement. Au revoir, à bientôt, Annie. Allez, viens, ma belle. Par ici, par ici, allez. Oh. Ça va, la voie est libre. Allez. Allô, service de la Fourrière. Oui, ici Lisa Madison de l'hôpital de Cleveland. Nous avons un petit souci. Est-ce que vous pourriez nous envoyer quelqu'un aussi rapidement que possible? Oui, ce sera parfait. Merci. Quelle journée. Je suis navrée, monsieur Aldrich, mais je n'ai pas le choix. La comptabilité vous versera vos indemnités de licenciement dès que vous aurez rendu vos clés et votre badge. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu quand je vous en ai donné l'occasion? C'est une longue histoire, madame. Racontez-la moi, j'ai tout mon temps. Moi non, je regrette. Madame. Docteur Elliot. Tiens, bonjour. Quelle surprise de vous voir. Avez-vous reçu mon message à propos d'Annie? Oui, vous avez reçu le mien. Non. Ah. Quoi? Elle est partie. J'ai eu un étrange visiteur il y a quelques jours. Il a enlevé plusieurs de mes chiens. Un kidnappeur? Plutôt un libérateur. Oh, un défenseur de la cause animale. C'est difficile à dire. Charlet va avoir le cœur brisé. Je suis désolé. Vous n'y êtes pour rien. Je venais aussi pour autre chose. Vous connaissez Tom Donaldson? Oui, c'est un vieil ami. Alors vous saviez qu'il avait eu un pontage coronarien? Ouais. Eh bien... Il a récupéré à une vitesse incroyable. Ah, oui, ça je l'aurais parié, il est solide comme un roc. Oui, mais l'ennui, c'est qu'il a affirmé que c'est parce qu'un mystérieux animal à poil est venu le visiter. Ah, zoothérapie. Plaît-il?
Oui, c'est comme ça qu'on appelle les traitements dans lesquels des animaux de toutes sortes jouent un rôle thérapeutique. C'est une sorte de placebo. Le patient prête à l'animal un pouvoir curatif alors qu'en réalité, il guérit par lui-même. Mm-hmm. C'est la pensée positive. Ça marche vraiment? Vous seriez surpris. Je le suis déjà. Pourriez-vous m'éclairer? Oui, volontiers. Venez, je vais vous montrer mes notes. Qu'est-ce que vous faites? Salut, bonhomme. Tu vas rire. J'avais une de ces méchantes migraines. J'ai pris le petit dans mes bras et elle a disparu. Peut-être que t'avais raison. Qu'est-ce que vous allez faire des bébés? Mon boulot. Je travaille à la fourrière, rappelle-toi. Alors, vous allez les emmener? Si tu crois que ça m'amuse. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Moi, je n'ai pas le choix. Faut pas m'en vouloir. J'ai fait ce que je pouvais, Charlène. Qui l'a appelé? J'en sais rien. Je t'avais dit que c'était risqué de les garder en bas trop longtemps. Quelqu'un a vendu la mèche? Non. Non, non, ils sont glissés dehors. Ils se sont précipités quand j'ai ouvert et... Où est-ce que vous allez, CW? Faut que je me trouve un nouveau travail. Celui-là m'épuise. Ils vous ont envoyé? Ouais. Je survivrai, va, c'est pas grave. Sois sage et prends bien soin de toi. Alors, cette journée? Il faut que tu lui rendes son travail. À qui? À CW. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a caché les bébés chiens dans le sous-sol. C'est moi. C'est toi? Tu as décidé ça tout seul? Pourquoi tu fais cela? Parce que le monsieur de la fourrière voulait les endormir. Il fallait que je sauve les bébés d'Annie. Je voulais essayer de leur trouver un foyer. Maintenant, ils vont tous les tuer. Annie, Max et les bébés. Non. Alors? Réponds-moi franchement. Ça te plairait qu'on reparte à Denver? Ils t'ont fichu dehors, c'est ça? En fait... Ça suffit, cette fois c'en est trop. Je laisse tomber, mes recherches, la bourse, tout. À vrai dire, tu n'as plus à te soucier de la bourse. Il n'y a plus de bourse. Ils l'ont annulée. Oh, comment se fait-il qu'ils ne m'aient rien dit? Ça ne vient pas de l'hôpital. Eux, ils tenaient à ce qu'on reste. Et le comité aussi voulait nous garder ici. C'est vrai? Bien sûr que oui. C'est le docteur Eklin qui a refusé de rendre à M. Aldrich le poste qu'il occupait. Du coup, je démissionne. Il le faut, c'est une question de principe, je te demande pardon. Oh non, 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 ça ne fait rien. Écoute, nous misions beaucoup sur cette bourse. Cela dit, je pourrais toujours exercer. Après tout, je suis pédiatre. Non, je sais, c'est un mauvais point pour la suite de ta carrière et je m'en excuse. Mauvais point, bon point, ça n'a aucune importance. Pourvu qu'on soit ensemble. J'ai jamais voulu que tu travailles, ça tombe bien. Je vous aime, docteur Logan. Et moi, toi. Qu'est-ce qui te prend, voyons? C'est de la folie. Tu ne vas pas jeter tes recherches au panier. Je vais me gêner. Non, garde-les, elles peuvent être utiles. Je n'en ai plus besoin. Je tais-toi. Oh. Oh. Merci, je te redresse. Salut. Tu n'as pas vu le docteur Logan? Tu l'as raté. Je
Je voulais lui parler, mais tant pis. Je l'appellerai. C'est impossible. Le docteur Logan et sa femme ont été congédiés ce matin. Pardon ? Je t'assure. Andy, c'est trop tard. Il est déjà parti, Andy ! Donne, Trésor. Charlie. Je suis vraiment désolé. J'ai essayé de joindre la fourrière, mais c'était trop tard. Je lui offrirai un chien en arrivant à Denver. Oui, mais ce ne sera pas tout à fait la même chose. Allô? Non, nous allions... C'est si urgent. D'accord. Qui était-ce? C'était Andy. Il nous attend dans le parc près de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il veut? Nous dire au revoir. Il était moins une. Nous allions partir. Je tenais à vous dire au revoir, à vous et à Madame Logan. Bonne continuation, Andy. Bonne chance, docteur Malone. Oh. Vous ferez un généraliste hors pair. Vous croyez? Une intuition. Oh. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait vous dire au revoir. Je suis venue te remercier, Charlie. Viens me faire un bisou, allez. S'il te plaît. Tu as changé ma vie, tu sais. Ce n'est pas moi. Bien sûr que si. Non, c'est Annie. Et c'est bébé. Tu ne vas pas t'en aller sans lui dire merci quand même. Merci à qui? Oh, je crois qu'elle le mérite, non? Oh, oh. Oh, je suis content de vous voir. Je pensais qu'on les avait... Non, le docteur Elliot est passé les chercher à la fourrière. Lui? Le lendemain du jour où vous m'avez parlé de vos recherches et des guérisons éclairs, il a couru les chercher. Il a adopté l'un des bébés, Charlie. John. Oh, super, génial. Oh, mais je ne lui ai pas montré mes recherches. Je sais. Il vous reste un petit détour à faire avant de partir. Ah, je vous en prie, entrez, docteur Logan. J'imagine que ceci vous appartient. Oui. Je l'ai montré au docteur Eklin. Et il a convenu avec moi que c'était un travail admirable dont les conclusions devraient être appliquées dans cette clinique. Il a dit ça? Mm-hmm. N'ai-je pas raison, Ned? Comme toujours, tante Catherine. Je l'avais jetée. Oh oui, je sais. Le docteur Malone l'a récupérée et me l'a apportée. Votre travail est vraiment en tout point remarquable, docteur Logan. Dis-le-lui, Ned. Docteur Logan, je me suis trompé. L'hôpital souhaiterait que vous et votre épouse repreniez vos fonctions immédiatement. Enfin, si... Si vous acceptez mes excuses. Et j'ai également réintégré M. Aldrich à son poste. En vérité, l'hôpital n'a jamais désiré votre départ. Je viens d'être informée de cette décision que Ned semble avoir prise sans consulter personne. Et comme je suis la plus généreuse donatrice de cet hôpital, sans laquelle ce pavillon ne serait qu'un doux rêve, j'ai persuadé Ned de reconsidérer la question. N'est-ce pas, Ned? Certes. En plus, il a décidé dans sa grande sagesse d'ouvrir un service de zoothérapie expérimentale au cœur même de cette aile. N'est-ce pas merveilleux? Oh, c'est à peine croyable, vous voulez dire. À présent, excusez-moi. Dites-moi, docteur, où est votre fils? Il est dehors, dans le couloir. Il m'attend avec sa mère. Auriez-vous l'obligeance de lui demander de passer? Bien sûr, je vais lui dire... Merci, Madame Magnon. Merci à vous, docteur Logan. Tiens, le papa.
Madame Magnon te réclame, Charlet. Moi ? Notre Charlet ? En personne. Au fait, M. Aldrich a retrouvé son emploi. C'est vrai ? Ah, oui. Oh, c'est fantastique. Allez, va vite la voir, Trésor, elle t'attend. Raconte. Alors, quelles sont les nouvelles ? Il semblerait que nous ne partons plus à Denver. Ah bon ? Et nous avons été réintégrés. Non, je rêve. La décision prend effet immédiatement. Oh, mais je ne suis pas sûre de vouloir être réintégrée. Pourquoi ? Eh bien, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit à propos du fait qu'il vaut mieux qu'une mère reste à la maison. Et peut-être qu'une certaine maman ferait mieux de rester à la maison. Parce que l'heure est sans doute venue pour elle de ne plus travailler, il me semble. Ça va, tu te sens bien ? Oh, je suis en pleine forme, mais je meurs de faim. Mais il y a à peine une heure qu'on a déjeuné. Oui, je sais. Et tu as encore faim. Une faim de loup. Et j'ai envie de d'une glace. Oh, une glace à 10h du matin ? Et aussi de fraises. J'ai pas la saison des... Et fraises. De fraises. Oh. Bingo. Bonjour. Oh, Charlet. Écoute, il y a une chose que j'aimerais te demander. Laquelle ? Je voudrais ce bébé que tu m'as amené ici et qui s'appelle Lopez. D'accord, je vous le donne. Charlet, merci, merci encore pour tout ce que tu as fait. Remerciez les chiens. Ils sont particuliers. Non, ils font des miracles. Merci d'avoir rendu sa place à CW. Oh, c'est bien naturel. Quand est-ce que vous rentrez chez vous ? Dans une semaine. Mon cancer est en rémission. C'est où, ça ? La rémission, c'est un endroit merveilleux. Oh, ça me fait très plaisir. Et moi aussi. Je veux que tu me promettes de m'amener bientôt ton amie Annie. Je l'amènerai. Promis. Oh. Ah, le voilà. Allons-y. Papa, maman, attendez! C'est gentil de la part de Charlet de nous avoir donné Jennifer. Je crois que notre amie Charlet nous a donné bien plus que Jennifer. Oh. Tiens, mais qui je vois là ? Je m'attendais pas à te voir dans le coin. Alors, on vous a rendu votre place ? Je suis bien content. Ouais, j'ai eu de la chance. J'étais passée vous dire au revoir et merci. Merci ? De quoi ? D'avoir gardé mes chiens et de ne pas m'avoir dénoncé. Oh, j'en aurais fait autant pour n'importe qui. Ma maman dit que vous vouliez me protéger. Ben oui, les mamans disent des tas de choses. En fait, j'essayais de me protéger moi-même. Tu sais, je veux surtout pas qu'on pense que je m'attendris avec l'âge. C'est ce qu'on va voir. Où est-ce que tu vas ? Sacré nom d'un chien ! Et tu veux qu'on me fiche à la porte encore une fois, c'est ça ? Ma parole, il te ressemble. Il a la goutte au nez. L'air matin, l'œil qui pétille. Il est à vous. Hein ? À moi ? Mais... Au revoir. Charlet, attends ! Oh ! Oh non. Il est même pas propre. Tu vois ça ? Tu vas apprendre à t'en servir, Elton. C'est là-dessus que tu feras pipi. Hein ? Alors, qu'est-ce que tu me racontes, hein ? Bon sang, ton haleine est pire que la mienne, et c'est rien de le dire. Je sens qu'avec toi, j'ai pas fini de cavaler, hein ? Alors comme ça, tu fais des miracles. Avec toi à mes côtés, je risque plus rien, je suis sauvé, hein ? C'est ça le miracle ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Charles, venez par ici. Approchez. Je reviens. Salut. Qu'est-ce que vous faites là ? Alors, maître Charles, comment allez-vous ? Qui c'est à moi ? Oui, vous, mon garçon. Madame Catherine m'envoie vous chercher. Me chercher ? Vous et vos amis. Pourquoi faire ? C'est une surprise. D'accord, je cours les avertir. Juste une dernière chose pendant que je vous tiens. Oui ?
Vous rappelez-vous le jour où vous avez pris un raccourci devant le manoir des Mannion? Oui. Eh bien, je voulais vous remercier, personnellement. Je n'en avais pas eu l'occasion à l'hôpital. Merci de quoi? D'avoir changé ma vie, Charlie. Oh, je n'y suis pour rien. Remercier Annie et les bébés, ils sont miraculeux. Je considérerais comme un honneur que vous empruntiez ce raccourci à chaque fois que vous le souhaitez, à une condition. Laquelle? Que vous en profitiez pour venir nous dire bonjour à tous les deux une fois de temps en temps. Bien sûr, j'adorerais ça. Ça me fera plaisir. Allez chercher vos amis et les chiens. J'ai également une surprise pour eux. Vous êtes plein de surprises, vous. C'est ce que Madame Catherine me répète constamment. Est-ce que ça vous plairait d'aller voir des professionnels jouer au baseball? Aujourd'hui? Oui, tout de suite. Allez, mon garçon, dépêchez-vous d'aller chercher vos amis. J'y vais. Pour enfants. Bienvenue aux chiens miraculeux, t'as vu ça? Vous êtes devenus des vraies vedettes.